J.Y. Jesus first, all the second, and yourself last. This is our vision of life. Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'AKCB, l'Association des kinésithérapeutes congolais en Belgique, a le plaisir de vous accueillir dans cette somptueuse salle. Mais avant toute chose, nous tenons à vous présenter nos excuses pour le retard que nous avons pris dans le démarrage du programme. Nous n'allons pas trop tarder, nous allons surtout passer à l'essentiel. Je vais passer la parole au président, M. Jean Mouzem Mundundu, qui va prononcer la locution de circonstance avant de passer à autre chose. Je vous remercie. Messieurs, mesdames, chers amis, en ce jour d'ouverture officielle des activités de notre association, nous tenons d'abord à vous présenter nos vifs remerciements. Votre présence témoigne de l'intérêt que vous manifestez aux personnes initiatrices de cette manifestation, mais aussi en répondant physiquement à notre invitation, vous montrez votre attachement aux œuvres visant le développement intégral de l'homme, quelle que soit sa contrée d'existence. Mesdames et messieurs, notre association a été reconnue le 26 avril 2012, j'allais dire. 2012. C'est en effet ce jour-là que sa publication au Moniteur belge a été effective. Donc ça fait déjà 2 ans que nous existons officiellement. C'est aussi l'aboutissement des efforts d'un groupe de personnes qui avaient décidé quelques années auparavant, de se retrouver périodiquement, soit 1 à 2 fois par an, pour discuter de leurs souvenirs communs du pays d'origine, mais aussi d'évoquer les souvenirs communs de leur structure de formation, qui est l'ISTEM Kinshasa. La décision de transformer cette structure informelle en association officiellement reconnue a été motivée par la multiplication des conséquences des conflits à l'est du Congo en termes de nombreux mutilés de guerre, d'une part, mais aussi la détérioration effective des conditions de formation des kinésithérapeutes au sein de l'ISTEM Kinshasa, d'autre part. En effet, les conditions dégradantes de la formation d'étudiants au sein de l'ISTEM de la section de kinésithérapie particulièrement, est notamment perceptible par des situations telles que l'absence de salles techniques de travaux pratiques, la vétusté de quelques matériels datant de 40 ans, l'absence d'une bibliothèque spécialisée, l'absence des abonnements aux revues scientifiques et professionnelles internationales, l'inaccessibilité des bâtiments aux personnes à mobilité réduite, l'insuffisance des salles des cours, le manque de bureaux pour les professeurs et le personnel scientifique, l'insuffisance de l'espace de travail pour l'administration, le manque de salles de réunion, l'absence d'espace et de matériel didactique pour les cours d'anatomie physiologique, mais aussi pour les cours d'éducation physique, etc. Les buts principaux de notre association sont
établir le contact entre les membres, organiser des visites guidées dans différents services de rééducation et salons d'exposition de matériel de rééducation en Belgique et au Congo, mais aussi en Europe, contribuer à la réhabilitation des infrastructures, des services de kinésithérapie existants au Congo, participer à l'approvisionnement en produits pharmaceutiques et matériel de rééducation de première nécessité des centres de rééducation, mais aussi des services de kinésithérapie des hôpitaux de Kinshasa et du Congo en général. Travailler en partenariat avec les organismes internationaux et nationaux de santé en Belgique et au Congo. Organiser des conférences et séminaires de formation des kinésithérapeutes et autres personnels de santé en Belgique et au Congo. Établir des contacts avec les structures OASBEL existantes en vue de l'amélioration des conditions de vie de la population au Congo. Comme vous pouvez le constater, pour atteindre ces objectifs, l'investissement humain ne suffit pas. Mais des moyens matériels et humains sont indispensables. Bien sûr, nous ne sommes pas les seuls à agir dans ce domaine du handicap au Congo. Mais nous pensons que notre connaissance du terrain nous permet de mieux appréhender les problèmes liés à la formation des professionnels de kinésithérapie et de rééducation et de l'équipement le plus adapté. Car pour illustrer l'insuffisance du personnel dans ce domaine, un exemple pratique et concret. Selon les statistiques de la santé publique au Congo, on recense dans la province de Maniema, une des provinces du Congo bien sûr, un seul kinésithérapeute pour toute la province. Dans ce cas, vous pouvez imaginer la qualité des soins et les prises en charge des patients présentant des capacités tant locomotrices que sensorielles ou physiologiques. La situation que nous évoquons n'est pas unique, mais elle témoigne des difficultés présentes dans ce domaine, dans ces pays. Voilà comment notre joie est immense de savoir que plusieurs personnes nous soutiennent dans cette initiative et nous espérons que vous serez avec nous lorsque nous lancerons notre premier projet dans le domaine qui est le nôtre, à savoir la rééducation et la réadaptation de la personne avec handicap en République démocratique du Congo. Messieurs, mesdames les invités, chers amis, notre préoccupation ne se limite pas seulement à la situation des personnes avec handicap au Congo, mais celle du pays et du continent qui nous accueille, la Belgique et l'Europe, nous est aussi chère. En effet, par notre travail de tous les jours, nous nous occupons des patients pour contribuer à la récupération de leurs capacités en vue de leur réinsertion sociale. Ce qui différencie les deux situations, c'est que dans le pays et le continent qui nous accueille, les structures et les moyens sont tant matériels que humains existent. Mais dans le cas du Congo, les structures de prise en charge, les moyens matériels et humains sont insuffisants pour une superficie 80 fois la Belgique. La projection des photos qui suivra vous donnera une idée générale de la situation. Nous vous remercions pour votre attention. Ainsi, vous allez suivre une projection de photos et de DIA qui vont illustrer un peu la situation que je viens d'évoquer tout à l'heure. On va éteindre la lumière. Merci. Ici, vous voyez en fait la défense des mémoires des étudiants. La salle de défense est tellement exiguë que vous voyez à côté, vous voyez, le jury est là et je suis présent. L'étudiant qui défend est de l'autre côté. Et vous voyez les matériels qui sont en face pour voir qu'il n'y a pas de salle de conférence, de salle de défense de mémoire. Là-bas, vous voyez des professeurs qui se réunissent pour la réunion du conseil de section. L'absence de salle de réunion les oblige de se réunir dans un auditoire. Ce qui doit suspendre les cours des étudiants parce qu'ils occupent l'auditoire à ce moment-là. C'est qu'il n'y a pas cours à ce moment-là. Ça, ce sont les étudiants qui sont dans la salle de cours. Et vous voyez des matériels qui suspendent de l'autre côté pour montrer qu'il n'y a pas de lieu pour garder les matériels. Même les étudiants, vous voyez, la salle est divisée en deux. Il y a une partie qui est de l'autre côté qui se retrouve carrément comme salle des assistants. Vous voyez le chef de section. Il n'y a pas d'armoire.
pas de lieu pour mettre les livres, que les cartons sont là suspendus pour essayer de mettre les éléments. Parce qu'il n'y a pas d'espace pour effectivement faire face à ce... Voici le système qui a été construit il y a près de 10 ans. Et depuis 5 ans qu'ils occupent ce site. Voici les érosions. Personne d'invalide ne peut marcher là-dessus. Les vélos ne peuvent pas passer parce qu'il n'y a pas de passage pour des vélos. Il n'y a rien et le bâtiment est tout à fait intéressant, mais la locomotion sur le terrain est difficile. Ça, c'est un peu la situation d'hygiène de la structure. Il n'y a pas d'aménagement du terrain, il n'y a pas d'aménagement de structure. Et les érosions sont en train de pouvoir envahir. Et ce qui fait que... Là, vous voyez la salle technique. Il doit faire des TP là-bas. Mais il n'y a pas... C'est la cage de rochers pour les kinés qui savent bien. Là, il y a des fauteuils roulants et tous ces éléments. Ils sont entassés. C'est la salle technique et en même temps bureau de personnel scientifique. Donc quand il n'y a pas de TP, mais le matériel est bloqué, il n'y a pas d'espace pour travailler. Même chose, tout est empilé de façon désordonnée. Que on se demande comment ça peut, le matériel date de longtemps et ça n'a pas été renouvelé. Mais si on pouvait le garder à un endroit correct, ça pouvait encore être utilisé. Voici l'empilement des tables de massage. Par manque d'espace, par manque d'endroit pour les mettre. Ce qui est tout à fait regrettable. Là, vous voyez, il n'y a pas de bibliothèque, il n'y a pas d'armoire pour mettre les livres. Les mémoires sont empilées. Les dossiers sont empilés parce qu'il n'y a pas d'espace pour pouvoir les garder. Ce qui fait que les archives disparaissent parce qu'on n'a pas d'endroit pour les garder. Là, vous voyez, c'est l'administration, c'est les chefs de section qui sont là. Il y a un à gauche, un à droite. On ne peut pas traiter un dossier de façon confidentielle parce que l'autre à côté entend tout ce que vous dites. Ce qui, effectivement, est difficile pour pouvoir bien gérer les choses. Là, vous voyez le bureau de l'appariteur. C'est l'armoire qui montre que c'est l'appariteur. Mais en fait, son bureau est là. L'autre côté, c'est l'autre bureau. Et il n'y a pas d'espace pour pouvoir se retrouver. Là, c'est le chef de section dans son bureau qui reçoit les gens. Et vous voyez que ce n'est pas évident. La photo qui va arriver encore. Voici ici les mémoires qui sont par terre. Il n'y a pas d'endroit pour les garder. Qui au bout de 2-3 ans, on ne peut pas retrouver son mémoire, même si on a défendu 3 ans avant. L'humidité abîme tout et c'est vraiment un problème. Ça, c'est. Je crois que c'est. Qu'est-ce qui va arriver? C'est la même photo qui passe. Là on revient au début. Donc, ces photos vous montrent un peu. Voilà, c'est vous montrer la situation de travail, les conditions de travail des gens et la difficulté de pouvoir faire son travail comme il faut. Maintenant, on va vous. Montre encore. Ici, on va vous montrer, malgré ces conditions difficiles, les kinés formés arrivent à faire du travail. Ils arrivent à faire face à leurs obligations. Là, on va vous montrer sur des diapos. C'est un cas du Nord Kivu. Il y a une dame qui a été amputée de la jambe. Qui fait de la rééducation de la marche entre les barres parallèles. De la rééducation, c'est pas comme ici. Mais sauf qu'ils n'ont pas de matériel adapté. Donc ils arrivent à faire face au problème, malgré les contours de formation, ils arrivent à faire quand même leur travail comme il faut. Ici, vous voyez, il y a quelqu'un qui a eu des balles, certainement au niveau de la jambe, et la fracture de tibia qui est là, et qui est immobilisée dans les conditions. Pas tellement comme ici, mais on arrive à trouver des solutions. Orthopédistes et tout ça arrive à trouver des solutions. Et la rééducation suit après. Là, vous avez deux cas d'un patient qui a fait une rééducation là-bas. Proprioceptif du patient à gauche. Et là, vous voyez une immobilisation avec fracture, après fracture. Toujours à Goma, dans l'est du Congo. Une région qui connaît beaucoup de guerres. Et on voit les conséquences qui sont là. Mais les kinés qui sont formés arrivent à faire face à ces problèmes malgré des conditions difficiles. Là, vous voyez un enfant qui a, après une fracture, les balles qu'il a reçues, là, il est content, il est heureux. Il fait sa rééducation de barres parallèles. Et le kiné est là pour pouvoir les guider, pour qu'il puisse récupérer et retrouver sa marche. Il y a une dame avec sa fracture du fémur, qui se trouve avec... une immobilisation et qui fait, vous voyez, le poids qui est là, il fait la rééducation pour tonifier un peu son quadriceps. Pour les kinés, ils savent bien. C'est
Ça, c'était une jeune fille qui a eu l'amputation du membre inférieur au niveau de la cuisse. On doit traiter les moyens avant d'avoir la prothèse. Et l'histoire de cette fille est dramatique parce qu'après la rééducation, elle est restée carrément. Voici le kiné qui mobilise les moyens pour qu'il puisse faire la fonction, renforcer les muscles pour recevoir la prothèse après. Et cette jeune fille, il y avait un projet belge qui soutenait et le projet s'est arrêté. Et la fille n'a pas eu sa prothèse. Donc s'est retrouvée abandonnée sans prothèse et on se demande comment elle peut arriver à se mouvoir dans cette ville pleine de sable. Et elle a été abandonnée parce qu'il n'y a pas de projet, il n'y a pas d'argent pour acheter la prothèse. Ça, c'est les jeunes enfants qui sont cueillis de balles dans le Nord Kivu et qui se retrouvent avec des prothèses, qui sont en train de s'amuser. Une rééducation collective en forme ludique. Et ça, c'est pour dire que le travail, c'est malgré les conditions de formation, mais ils arrivent quand ils sont sur le terrain, de faire face aux problèmes. Imaginez s'ils avaient des conditions matérielles intéressantes, ils feraient encore plus. Là, nous sommes dans un cas de lèpre. La lèpre qui est une pathologie encore présente au Congo. Et les kinés sont associés à la prise en charge. Là, nous sommes un bain de plaies de lèvres, de lèpre, qui est prise en charge au niveau d'une thérapie locale. Ce n'est pas comme ici, on est dans un bassin, dans une piscine. Là, on arrive à faire face à cela de façon rudimentaire, mais les résultats sont pratiquement les mêmes. Ici, c'est une personne qui a eu la lèpre avec des déformations au niveau de la main. Là, à gauche, il y a une opération. On opère en fait tous ces tendons. On étire ces tendons de la main parce qu'il y a des rétractions tellement énormes qu'on doit pouvoir l'opérer. Et là, on montre une équipe de chirurgiens et le kiné aussi là pour voir comment est-ce qu'on opère pour rééduquer après. Pour qu'ils puissent savoir qu'est-ce qui a été lésé comme tendon, qu'est-ce qui a été suturé pour pouvoir bien faire la rééducation de façon correcte. Et là, à droite, vous voyez comment des rétractions, la main est carrément en griffe avec une situation difficile. Comment est-ce qu'une personne peut prendre la cuillère et manger? C'est difficile. Ni écrire, c'est difficile. Donc il faut les rééduquer pour qu'ils puissent retrouver sa fonction. La même main qui a été opérée, voici, il fait la rééducation, enfin fait la flexion progressive des doigts pour pouvoir retrouver l'appréhension et tous les actes de la vie quotidienne au niveau de la main. Alors, ici, c'est un patient qui a eu une hémiplégie après AVC, qui fait la rééducation, soit de rééducation. Des huileries à Kinshasa, là on fait la marche, il est carrément un peu en appui pédestre, mais on voit bien les déséquilibres qu'il y a là, et la kiné va pouvoir le rééduquer. Ça se passe comme ici, et le programme est le même de rééducation si vous voulez. Là on travaille sur son bras droit qui est effectivement lésé, là on fait de la mobilisation, on fait du renforcement, un peu de la proprioception, pour pouvoir retrouver la fonction des membres supérieurs. Après, hémiplégie, post-AVC. La même, une jeune fille qui a eu une hémiplégie après AVC et on lui fait montrer comment, sur un parcours accidenté, il peut faire face si jamais il doit marcher parce qu'à Kinshasa, tout n'est pas plat comme ici. Donc on simule un parcours accidenté pour qu'il puisse faire face à ce parcours dans son quartier. Donc rééducation de la marche et de l'équilibre. Nous avons des personnes âgées aussi au Congo, donc les gens deviennent de plus en plus vieux. Donc on met en place une prise en charge de personnes âgées. Là, on montre comment la personne âgée qui tombe, comment elle va pouvoir s'élever. Vous savez qu'ici, une personne qui tombe, elle peut rester pendant 3-4 heures au sol et il peut en mourir. Donc là, on apprend les personnes âgées, comment ils peuvent s'élever. Et un cas typique, il y a un hospice des vieillards, Saint-Pierre à Kinshasa, on arrive à prendre en charge ces personnes âgées-là. Il y a une dame à qui on rééduque l'équilibre dans ce même hospice pour qu'il puisse effectivement éviter les chutes qui peuvent arriver parce que l'habitat est très accidenté à Kinshasa et ce n'est pas évident de pouvoir faire face à cela. On leur montre comment essayer de faire rééduquer l'équilibre pour ces patients-là. Rééducation psychomotrice et dynamique chez une personne âgée, toujours là-bas, pour essayer de nous montrer comment faire face à ces problèmes de la locomotion normale. Imagine qu'il a un obstacle devant lui. Comment il va enjamber cet obstacle pour faire face, pour pouvoir passer au-delà de cet obstacle-là, pour éviter la chute.
Voilà un peu quelques images. On peut allumer? Vous montrer qu'en dessous, les conditions de travail sont difficiles et malgré ça, les gens font des efforts pour faire face à ces éléments. Donc, vous voyez, c'est un peu ces images. Je voulais illustrer un peu ce que j'ai dit pour dire que les conditions sont difficiles, mais ils arrivent quand même à faire face à ces problèmes malgré les moyens rudimentaires. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Bon, maintenant, on va vous laisser la parole. S'il y a des questions à poser, il est disposé à répondre sur tout ce qu'il a repris ici, que nous avons suivi en diaporama. Merci, tonton. Donc, bonjour, je m'appelle Sarah. Bonjour, bonsoir. Parle fort. Ok. En fait, je suis très intéressée dans ce domaine et je me demandais au niveau des personnes âgées, est-ce que c'est vous qui allez les chercher ou alors c'est la famille elle-même qui les amène dans cet hospice pour que vous les aidiez en fait? Merci pour la question, mademoiselle. C'est sa fille, hein. Mais je crois que c'est le home de VR au Congo, ça existe depuis longtemps, on en parle toujours. Mais c'est vrai qu'on en parle toujours, mais maintenant c'est devenu plus structuré parce que les catholiques ont pris en charge ce problème un peu. Ils arrivent à mettre en place ce hospice et les gens viennent. Ils ne sont pas sélectionnés, c'est vrai qu'ils viennent là-bas, ils ne payent pas. L'État, les catholiques, les structures diocésaines prennent en charge ces patients-là, ces personnes, et ils sont là. Il n'y a pas, c'est pas comme ici où les gens sont envoyés par les familles, mais ils viennent là-bas. Et quand on se rend compte qu'il n'y a personne, imagine à la paroisse, on constate que tel n'a pas de parents. Les groupes diocésains, les familles, ils vont chercher ces personnes-là et ils vont les dire de venir habiter là-bas. Et les structures chrétiennes les prennent en charge. Et je crois que c'est une bonne idée, mais il n'y a pas comme ici, ils ne payent rien. C'est les structures sociales qui s'occupent de privés, pas publics. Mais il y a un quota aussi, je pense. Mais je crois qu'il n'y a pas assez de chambres, donc si on ne peut pas recevoir tous les vieux de Kinshasa, ce n'est pas possible. Il y a, à la limite, il n'y a que deux ou trois hospices de vieillards à Kinshasa. Ce qui fait que tous les autres vieux restent chez eux et ne sont pas plus en charge. Tu as encore une question à poser? Docteur a une question. Docteur Mbouyani a une question quand même. Il sera bref. Merci d'abord pour la parole et je tiens à remercier l'association pour l'initiative que je trouve louable. Et j'ose espérer qu'il y aura quand même beaucoup d'intérêt de la part des personnes ici présentes. Mais mon questionnement tourne autour peut-être d'un élément qui n'a pas été évoqué par le président lors de son exposé. Il s'agirait peut-être d'expliciter au mieux le coût de la kiné en RDC, combien le patient débourse en moyenne pour une séance. Et peut-être ça peut donner clairement l'idée à des personnes qui aimeraient bien vous financer pour savoir quelle est la prise en charge d'un patient qui devrait avoir 18 séances ou une trentaine de séances. Est-ce que, en deuxième question subsidiaire, est-ce qu'il y a une limitation comme ici que pour des pathologies bien précises, il y a un nombre de séances qui est prescrit annuellement, tout en sachant que maintenant, la prise en charge au niveau mutualiste n'est pas encore efficace, mais commence à être introduite petit à petit en RDC. Est-ce que les nouvelles mutuelles, toutes petites qui commencent, intègrent aussi la prise en charge kinésithérapie pour les kinés? Voilà un peu ma question dans le but d'éclairer l'assistance. Merci. Merci, docteur, pour la question. C'est vrai que nous, on a l'image de dire, écoute, les gens sont envoyés chez les kinés par les médecins qui prescrivent. Et que les séances sont limitées par les médecins, ça se passe ici comme ça. Et au Congo, c'est vrai que les kinés travaillent de façon mixte. Il est salarié, mais il peut travailler en privé. C'est-à-dire que le matin, il va à l'hôpital, travailler au centre de rééducation, et l'après-midi, il peut avoir ses patients privés qu'il peut soigner. Mais est-ce que c'est accessible à tous? C'est la question que je crois que vous posez. Une séance de kiné,
en moyenne, quand je demande aux indépendants, ils coûtent entre 15 et 20 dollars. 15 à 20 dollars une séance, ça veut dire que pour quelqu'un qui touche 100 dollars, en 6 séances, son salaire est fini. C'est le fait qu'il s'est soigné, parce qu'il ne mangera pas ce mal-là. Ce qui rend la rééducation difficile. Donc les gens à l'hôpital, même à l'hôpital par exemple, où les séances sont forfaitairement facturées dans l'assiette globale de l'hôpitalisation, les patients arrivent, il est envoyé au service de kinésithérapie, il y va peut-être 3 fois, 4 fois, parce que les familles ne savent pas payer. On arrête les séances, parce qu'il ne peut pas payer. L'État n'intervient pas pour la prise en charge de ces soins-là. Même les mutuelles qui sont là, mais c'est combien de pourcents des gens qui sont dans les mutuelles? Il n'y a pas beaucoup. Donc, donc il faut que les gens s'affilient, bien sûr, mais il faut que les gens soient là. Mais combien de gens sont affiliés? Ce n'est pas beaucoup de gens. Donc les gens n'ont pas l'argent pour faire face à ça. Ils ne peuvent faire la rééducation que les gens qui ont un peu de moyens. Mais au niveau des structures sociales, ecclésiastiques, le truc catholique par exemple, là on arrive à faire des séances forfaitaires. On vous donne un tarif minimal. On dit par exemple 12 séances, vous payez l'abonnement. On facture par exemple 2 dollars la séance. Vous payez par exemple l'équivalent de 50 dollars pour l'ensemble de 12 séances ou 20 séances que vous allez faire. Mais malgré ça, les gens n'arrivent pas à payer. Ceux qui payent arrivent à payer, mais ceux qui ne savent pas payer, ben, ils vont avoir les séances, mais les structures ne récupèrent pas parce qu'ils doivent récupérer l'argent. Donc il faut envoyer déjà des recouvreurs pour chercher l'argent et les gens n'arrivent pas à payer. Donc c'est vrai que l'accessibilité de la kinésithérapie est encore aléatoire. Mais il faut aussi ajouter que les gens qui travaillent dans des sociétés, oui, eux, ils ont l'avantage que leurs soins soient pris en charge par la société. Donc, nous avons aussi ceux qui ont la... La convention. La convention. Oui, donc, ça veut dire qu'il faut que la famille soit mobilisée, car la maladie d'un membre de famille mobilise toute la famille à faire face aux soins. Pas seulement de la kinésithérapie, les soins dans l'ensemble. Donc il faut que tout le monde se cotise pour faire face. Et comme il est dit, les gens qui travaillent dans des entreprises publiques ou privées, où la convention existe avec l'hôpital, là effectivement, vous allez vous faire soigner et vous ne déboursez rien. L'entreprise supporte les soins. Donc on a plus de mutuelles type professionnel. De l'employeur, l'employé paye pour les gens-là. Mais le problème, c'est que le taux d'emploi est tellement bas qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont pris en charge dans ce type de choses. Donc l'idéal, c'est que tout le monde travaille pour que l'employé puisse faire face à cela et que les gens aient les moyens de faire face à ces problèmes-là. Donc je crois que c'est en fait la problématique. Et puis, docteur, il y a des sociétés aussi qui ont créé... Des polyclin... des hôpitaux. Des sociétés qui ont créé des services de kiné au sein de leur entreprise. Hein. Alors, leurs agents sont soignés dans ces entreprises-là. Donc, la kinésithérapie, ce sont des soins à plusieurs vitesses, je dis. Hein. Oui, c'est ça, plusieurs vitesses. À géométrie variable, oui. Donc, il y en a qui ne peuvent pas accéder à ces soins. Il y en a qui travaillent dans des entreprises. Eux, ils ont la chance parce qu'ils travaillent. Mais les autres, vraiment, ils n'ont pas accès à ce soin-là. Mais in fine, ma question capitale. Oui. Quel est l'avenir de la kiné en RDC? Ben, écoute, moi je pense qu'au niveau de la formation, nous avons déjà formé, si je peux voir les statistiques, on a commencé à former les kinés depuis 76, donc 76. Et on avait d'abord un cycle des graduats qui est arrivé jusqu'à l'an 2000. On avait des graduats qu'on formait, maintenant on forme des licenciés, donc des gens Bac plus 5, je peux appeler ça comme ça. Ben, nous sommes à la 12e promotion des Bac plus 5, donc des licenciés, et ceux qui sont dans les hôpitaux, ils arrivent à travailler effectivement. La rémunération, ça, c'est pas notre sujet. Mais nous parlons plus, est-ce que l'emploi existe? L'emploi existe, mais les ministères n'affectent pas assez de kinés dans les hôpitaux. D'un côté, parce que les gens refusent d'aller plus loin que la capitale. Ça, c'est un premier problème. Et un deuxième problème, c'est que l'État ne crée pas beaucoup d'emplois de kinés dans les hôpitaux publics. Mais dans les structures privées, comme les entreprises privées, ils ont des services de kinés. Et les kinés, beaucoup de kinés travaillent en privé dans ces structures-là. Là, ce qui veut dire, des entreprises comme l'ONATRA, la GECAMINE, ou bien d'autres entreprises, ils ont les structures
hospitalière et il crée à l'intérieur des services de rééducation qui s'occupent de leurs emplois, des employés. Et au moins, ils sont à l'abri. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, quel est le taux d'emploi dans l'ensemble du pays? Ce taux d'emploi est faible. Donc il y a moins de gens qui accèdent à ça par rapport à la population globale où l'emploi n'existe pas. Et c'est là effectivement, où se posent des problèmes. Donc la grande partie de la population qui n'est pas employée, mais se retrouve exclue. Parce qu'il ne peut pas payer les soins d'un côté en privé. Dans le service public, il y a tellement de monde que les kinés, ils ne peuvent pas payer même l'assiette globale des soins. Ils arrivent à le faire au début, mais la kiné étant des soins qui sont continus et de longue durée, mais ils payent peut-être 10 séances, alors qu'il faut 36 séances, au bout, ils ne se retrouvent pas. Ce qui veut dire qu'il y a des gens qui se retrouvent, ils commencent, ils sont abandonnés à la maison, mais peut-être maintenant qu'il est privé à la maison, ils vont commencer à soigner au début, mais après, ils ne vont pas tenir parce que les soins sont de longue durée. Et puis, ils se retournent à la médecine traditionnelle, hein, ah. À la kiné traditionnelle. Oui. Donc, il se retrouve carrément pris en charge au niveau du traditionnel, au niveau des choses. Traditionnelles comme la tradie médecine. Oui, oui. C'est ça. Ah, oui. C'est ça. Donc, c'est, on a... toucher un mot, ça intéresse quelqu'un. Oui. Oui, ça existe. Je ne dis pas que scientifiquement c'est reconnu, mais ça résout les problèmes cliniques des gens. Quand ils s'adressent à ces tradie praticiens, mais ils arrivent à trouver les solutions. Donc. On va pas dire qu'on va les empêcher de travailler. S'ils arrivent à trouver des solutions au problème, tant mieux. Mais nous battons pour que notre domaine soit aussi valorisé. Et c'est là pourquoi nous sommes là. On ne parle pas des autres parce qu'on ne connaît pas bien. On préfère plutôt se taire là-dessus. Nous parlons plutôt de notre domaine où nous sommes plus à même de pouvoir expliquer les phénomènes. Je crois que c'est ça. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, donc je préfère ne pas parler des domaines que je ne maîtrise pas, que parler plutôt des domaines dont mes capacités permettent de pouvoir expliquer tant le fonctionnement que les effets sur le corps humain. Merci. Encore une question? Bien. Monsieur le Président, merci. Ton exposé était clair. Les gens sont satisfaits. Maintenant, ceux qui doivent se servir, je vous invite à aller derrière au buffet vous servir. On va inviter le groupe à installer le matériel. Merci beaucoup. Chères mesdames, nous vous disons merci. Merci d'être là ce soir où l'équipe de GOI TV accompagne un événement qui se passe dans la province de Namur. L'association des kinésithérapeutes congolais de Kinshasa ici en Belgique fête sa sortie officielle après 2 ans d'existence. Voilà pourquoi l'équipe de GOI TV
qui accompagne chaque événement est là pour soutenir et pour mettre en avant cet événement. Et je m'adresserai à l'un des membres de l'AKCB, en sigle, Amical des kinésithérapeutes congolais de Belgique, de dire qui il est. Bon, je m'appelle Emmanuel Kusikumbaku, je suis kinésithérapeute. Kinésithérapeute, j'ai d'abord été formé à Kinshasa, à l'ISTEM, dans la même école que mon jeune frère ici présent, qui est en plus mon intervieweur. Double casquette. J'ai œuvré en tant que kinésithérapeute à Kinshasa pendant plusieurs années aux cliniques universitaires de Kinshasa avant d'obtenir une inscription pour venir poursuivre la même formation ici en Belgique. Donc je me suis retrouvé à l'ULB, Université libre de Bruxelles, où j'ai parfait mes études de kinésithérapie et depuis 2000, l'an 2000 en Belgique, j'exerce comme kinésithérapeute indépendant. Voilà. Tout à l'heure, on a écouté le discours du président. Il a énuméré nombre des objectifs. Et parmi tous ces objectifs, il était dit que le but de l'association était de s'occuper des autres. Alors, pourquoi des gens doivent bénévolement vouloir créer une association pour s'occuper des autres? Est-ce que vous savez en dire pourquoi? Pourquoi vous êtes dans l'association et pourquoi s'occuper des autres? De par notre formation et de par aussi le prescrit biblique, notre formation nous appelle à aller vers les autres, à aider les autres. Si nous nous organisons dans une telle association, je crois que le but primordial devrait être d'aider les autres. Voilà l'objectif. Pourquoi nous avons choisi cet objectif-là? Voilà. Comment faire alors pour ceux qui souhaiteraient aider l'association des kinésithérapeutes congolais de Belgique? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Ceux qui veulent soutenir l'association des kinésithérapeutes congolais de Belgique, que pouvez-vous leur dire? Donc, notre premier rôle, c'est ça, c'est d'abord de leur donner cette adresse, qu'ils connaissent notre adresse, qu'il existe une association des kinésithérapeutes congolais en Belgique. Les sensibiliser à ce que nous faisons et leur faire comprendre que nous, en tant qu'individus qui composons cette association, nous avons déjà les moyens humains à leur venir en aide. Mais ces moyens humains, comme a dit le président, ne sont pas suffisants. Il faut des moyens autres qu'humains. Je citerai par exemple des aides, des contributions de dons matériels ou financiers. Ajouter aux moyens humains que nous possédons, c'est comme cela que nous pouvons arriver à aider concrètement les gens qui ont besoin de ces services. Et nous demandons à la régie d'adjoindre à ce que vous venez de dire le numéro de compte de l'AKCB. Comme ça, ceux qui sont sensibles ou ceux qui sont touchés par la cause de pouvoir aider et soutenir l'AKCB. Nous vous remercions, monsieur Kusikumbaku. Merci beaucoup, mon jeune frère. Merci beaucoup. Claude. À très bientôt sur JYTV. Ok, merci. Merci à la télé pour m'avoir accordé la parole. Merci beaucoup. Toujours sur JYTV, nous voulons recueillir les impressions d'un de ses membres. Maman, présentez-vous aux téléspectateurs de JYTV.
Bonjour à ceux qui nous regardent en ce moment. Je suis Christiane Bukuta, kinésithérapeute formée à Kinshasa, à l'ISTEM. Pour l'instant, j'évolue en Belgique. Maman Bukuta, pourquoi rejoindre la KCB? Nous avons peut-être eu la chance d'être formés à un moment où les choses marchaient encore un petit peu. Et donc, vu l'état du pays, de l'enseignement et tout ce qui va avec, je pense que c'est un petit peu un devoir, je risque de dire moral, pour nous qui avons bénéficié de cette institution, d'essayer d'aider un tant soit peu les jeunes générations. Donc vous voulez rendre ce que l'ISTEM vous a donné, la kiné par... On va dire ça comme ça. Et alors, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans cette association qui est la KCB et comment on peut vous aider? Écoutez, l'association vient d'être mise sur pied. Elle fait sa sortie aujourd'hui. Et donc, je pense que l'une des grosses nécessités, c'est le financement. On fait appel à toutes les personnes de bonne volonté pour apporter leur aide financière à cette institution, à cette association, pour pouvoir œuvrer pour le bien du pays, pour le bien de la nation. Nous vous remercions, maman, à moins que vous ayez quelque chose d'autre à dire, parce que vous êtes sur les écrans de DIY TV. Votre mot de la fin, s'il vous plaît. Un grand merci à tous ceux-là qui se lèveront et aideront l'association dans les objectifs qui sont les leurs. Merci. Merci. Et à très bientôt sur DIY TV. Je vous en prie. Chers amis, vous êtes toujours sur DIY TV. Et les réactions se suivent. Nous avons l'honneur d'accueillir en ce moment Madame Ekosikumbaku Yvette. Parlez un peu plus fort. Ekosikumbaku Yvette. Maman Ekosikumbaku, quelle réaction a eu les Anini par rapport à l'organisation de la soirée? Oui. Bon, réaction à les Anini. Na sepeli d'abord toye kokutana wa pona cause moko ezoli ebiso pona mboka na biso na ndenge ke to salisa ba oyo bazo kamba misala kuna pona kosalisa ba ndeko na biso ba handicapé pe pona kosalisa bana ya classe bazwa ba formation na ndenge moko esengeli. Voilà. Maman Yvette, et qu'est-ce que peuvent faire ceux qui vous suivent sur DIY TV? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux-là qui nous suivent afin que l'œuvre de la KCB soit soutenue? Ben, soutenez l'association des kinés, afin qu'ils puissent soutenir aussi nos enfants qui étudient là-bas et soutenir aussi au travail, au grand travail qui se passe dans notre pays. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a eu des difficultés particulières dans ce qui était votre tâche pour organiser cette soirée? Non, pas tellement, mais bon, c'est vrai que si tout le monde s'y met autour d'un œuvre, c'est encore plus mieux que deux ou trois personnes. Donc voilà. Voilà pourquoi, en votre nom, nous remercions ceux qui soutiennent aujourd'hui et ceux qui soutiendront cette œuvre qui est la KCB. Merci, Maman Yvette. Fidèles téléspectateurs de DIY TV, nous sommes toujours dans la soirée de la KCB et nous avons la chance d'avoir un de ses membres au micro de DIY TV. Voilà pourquoi nous demandons à madame de se présenter. Présentez-vous, madame. Bonjour, je suis Sabine Dutoit. Je suis la femme de Thibaut Jen, qui est kinésithérapeute et membre de la KCB.
Donc moi aussi, je suis membre de l'AKCB parce que mon mari est membre et je soutiens très bien l'association et je suis... Donc vous êtes contente d'être dans l'association? Je suis très très contente d'être au conseil et je soutiens très bien tous les projets et toutes les choses qu'ils font pour que tout soit bien. Madame Sabine, vous avez de nombreuses occupations, vous êtes maman, vous avez un cabinet dentaire, mais comment concilier toutes ces différentes activités entre votre vie privée et votre vie professionnelle et venir encore soutenir l'AKCB? Comment trouvez-vous le temps? Bon, je ne trouve pas ça un problème, je trouve que c'est très important de soutenir cette association parce que c'est une occasion d'aider les gens au Congo avec cette association et c'est très important de pouvoir s'investir dans une organisation qui aide des gens bénévolement. Bénévolement, c'est ça, voilà. Et vos impressions sur cette soirée qui ne fait que commencer? Vous pensez qu'elle se déroule bien? Ça se roule très très bien, c'est très agréable, il y a la belle musique, il y a la bonne nourriture, les mamans ont bien préparé et je souhaite que la continuation sera très très bonne dans cette continuer comme ça. Nous vous remercions Madame Ditoa Sabine Tibebo pour votre réaction sur Joy TV et la soirée ne fait que continuer, voilà pourquoi nous vous disons merci. Et ne manquez pas et continuez de suivre surtout GOI TV. Merci, à très bientôt. Merci. La soirée ne fait que continuer et les réactions continuent de pleuvoir. Voilà, en face de nous, une maman qui est encore dévouée pour la cause de son association. Maman, présentez-vous aux téléspectateurs de GOI TV. Bonjour. Les amis de Joy TV, je m'appelle Maman Blandine Tatukila. Voilà, je fais partie de l'association. Voilà. Maman Blandine, pourquoi s'investir dans cette association de l'AKCB? Bon, je me suis investie dans notre pays qui est le RDC. Il y a jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours un peu des difficultés. Donc, vu nous autres, nous avons eu la chance de venir ici en Belgique, nous avons pensé alors de faire notre association et pour aider nos amis de l'ISTEM qui sont restés au pays. Et quelles sont vos impressions pour ce que je peux appeler une réussite de cette soirée? Bon, personnellement, je suis très contente parce que les gens sont venus répondre à l'invitation et... Je souhaiterais que les gens s'investissent et soutiennent cette association. Merci. Encore une fois, les numéros de compte de GOI TV et de l'AKCB, en l'occurrence pour cette soirée, défilent et vos dons sont vivement attendus. Merci et à très bientôt sur GOI TV. Merci maman. Merci. Mesdames et messieurs, vous êtes toujours sur Joy TV et nous sommes toujours dans la soirée de l'AKCB. Encore, nous voulons nous enquérir encore d'une réaction et nous avons en face de nous, messieurs... Depré. Monsieur Depré, vous étiez un des spectateurs assez attentifs. Oui. On vous a vu très intéressé. Voilà pourquoi on voulait savoir qu'est-ce qui vous inspire des soirées comme celle-ci. Mais au départ, j'ai répondu à une invitation de mon ami Jean Mouzembo. Et lorsque j'ai vu la lettre d'invitation, j'ai bien constaté que c'était une action de soutien aux kinésithérapeutes
belges qui travaillent en Belgique et qui voudraient aider leur pays, entre autres le Congo, la RDC. Ouais. Et je dis à mon épouse, ben, nous allons aller voir ce que Jean a à nous dire. L'accueil était formidable, chaleureux. Et j'ai été fort, fort intéressé par la diapositive que l'on a vue, l'exposé de votre président, et en plus de voir comment s'exerçait en tout cas la kiné en République démocratique du Congo. Je dois vous avouer que j'étais un petit peu très étonné, parce que quand je compare avec notre système, ce qui n'est pas comparable, mais les moyens dont vous disposez là-bas en RDC, c'est vraiment très limité, et vous essayez en tout cas, je suppose, et j'en suis persuadé, de faire des miracles. Mais c'est le manque de moyens dont vous disposez. Et par rapport au discours, par rapport à l'exposé, quelles sont vos impressions ou quelles sont les suggestions que vous pourriez adresser aux membres de l'AKCB? Je pense que l'AKCB devrait pouvoir peut-être solliciter, d'une part, de par leur connaissance ici en Belgique, un soutien en tout cas, et le nerf de la guerre étant quand même l'argent. Voilà. Donc il faudrait pouvoir soutenir et solliciter en Belgique des personnes qui, par une action ou une autre, des œuvres quelconques, arrivent à vous soutenir, vous donner des moyens à reporter directement en RDC pour avoir une aide beaucoup plus directe en tout cas et une action très efficace sur un maximum de personnes, sachant bien que vous n'arriverez pas à soigner tout le monde, mais un maximum de personnes certainement. Ça, j'en suis persuadé. Et c'est peut-être de solliciter ici en Belgique des moyens, en tout cas, pour vous aider. Donc, à travers des diapositives, à travers de l'exposé, c'est une vraie découverte. C'était un monde inconnu pour vous. C'est pour moi tout à fait inconnu. Je n'ai aucune connaissance de l'Afrique, ni de la RDC, mais je suis quand même fort impressionné par ce que vous arrivez quand même à faire, vous essayez de faire, mais je suis encore plus impressionné par le manque de moyens que vous avez. Quand j'ai vu les photos dans lesquelles les étudiants, les diapositives en tout cas dans lesquelles les étudiants, les conditions de travail, les conditions d'examen, les conditions qui sont les vôtres là-bas, je suis admiratif dans ce que vous faites. Mais il vous faut des moyens, ça c'est certain. Merci Monsieur Depré d'avoir réagi sur le micro de Joy TV. Voilà pourquoi, chers amis téléspectateurs, vous ne serez pas insensibles face à ces témoignages et face aux images que vous voyez de par vous-même. Nous demandons à la régie de faire défiler encore le numéro de l'AKCB parce que demain ne sera construit que par ceux qui sont vivants aujourd'hui. Exact. Voilà pourquoi nous vous disons merci d'avoir réagi. Et à très bientôt sur Joy TV pour une autre soirée de l'AKCB. Merci Monsieur Depré. Si on peut un jour vous aider, ce sera avec plaisir. Merci Monsieur Depré. Toujours dans la continuité de cette soirée, nous avons le plaisir de recevoir une des membres de cette association à qui nous demandons de se présenter. Voilà, moi c'est Louise Kengebene, mais je suis Madame Muzembo. Madame Muzembo, rien ne peut se faire sans une équipe. Et nous voyons que dans l'AKCB, il y a une équipe forte. Et Dieu seul sait, nous avons la chance d'avoir des mamans assez dévouées et assez fortes. Est-ce que vous savez dire aux téléspectateurs de Joy TV l'investissement des mamans pour la réussite de cette soirée? Merci beaucoup, Papa Claude. Notre investissement, nous sommes une équipe de mamans qui soutiennent nos maris et qui sont derrière eux. Et nous nous sommes entendus tous. Nous avons préparé la nourriture, préparé la salle. Et nous avons accueilli nos invités avec enthousiasme. Et n'y était cette cohésion de toutes les mamans de la KCB. Je cite, il y a Sabine, il y a Mireille, il y a Maman Poukouta, il y a Maman Blandine, il y a Maman Yvette, il y a Maman Chantal. Il y en a beaucoup, beaucoup d'autres que je n'ai pas citées. Toutes les mamans ont été avec nous. Même celles qui ne sont pas venues parce qu'elles étaient malades, elles ont envoyé leurs conseils pour vous dire à quel point nous sommes tous, toutes unies derrière ces projets. Nous savons que
UP pas avoir des réussites sans cette association. Et voilà pourquoi, au nom de tous les hommes, nous vous en serons jamais assez reconnaissantes pour cet investissement. Voilà pourquoi nous demanderons une dernière impression. Quelles sont vos impressions quand vous voyez une salle comble, quand vous voyez les gens réunis qui ont bien mangé, quelles sont vos impressions? Et je suis vraiment très heureuse et nous avons eu de bons retours. Tout le monde a dit que la nourriture était goûteuse et comme vous pouvez le constater, tout le monde est joyeux. Ils ont bien mangé, ils ont bien bu. On attend juste le moment pour pouvoir se dégourdir les gens, pour pouvoir marquer ces jours de sortie officielle de notre association AKCB. Et le marquer d'une pierre afin de pouvoir montrer à tous que nous sommes là derrière ces projets et nous les soutenons aujourd'hui et nous les soutiendrons toujours. Voilà pourquoi nous disons aux téléspectateurs de GY TV qu'accomplir une œuvre, la naissance, si nous pouvons parler de la naissance d'une œuvre, elle est peut-être aisée. Mais la croissance, la maturation ou atteindre la maturité et l'accomplissement des objectifs, elle ne sera pas faite sans qu'il y ait de la sueur. Mais à la sueur, il faudra ajouter des moyens humains, qui est le membre. Mais les membres ne suffiront pas. Voilà pourquoi à vous qui nous suivez, à vous qui êtes sensible à la cause de l'autre, à vous qui aimez GY TV, oui. Parce que GY TV, c'est d'abord l'autre en avant. GY TV, c'est donné. Voilà pourquoi nous faisons encore défiler les numéros de compte de l'AKCB afin que vous souteniez. Parce que sans argent, on ne pourra rien accomplir. Les discours ne suffiront pas. Et voilà pourquoi nous appelons à votre bonne volonté. Encore très bientôt, merci. Merci pour vos dons présents et futurs. Et ne manquez pas de soutenir non seulement l'AKCB, mais ne manquez pas de soutenir GY TV. Bonjour sur GY TV. Nous voulons recueillir l'impression des membres qui a participé brillamment à cette soirée. Docteur, présentez-vous aux téléspectateurs de GY TV. Merci beaucoup. Je suis docteur Jean-Jacques Mbungani. Je suis médecin généraliste ici en Belgique, à Bruxelles. Et j'ai l'honneur d'être ici parmi vous, sous l'invitation de M. Emmanuel Kusikumbaka, kinésithérapeute, membre de cette association, l'association des kinésithérapeutes congolais de Belgique. C'est un événement important parce qu'il permet de mettre au grand jour les Congolais qui sont dans le domaine de la kiné. C'est bien parce que vous voyez un grand nombre de participants. C'est quand même notre visibilité. Et aussi, on a mis au grand jour la technicité des Congolais, en tout cas ceux qui font ce métier. Et je suis fier d'être ici et d'être présent parmi vous. Docteur, vous êtes un professionnel de la santé, connaissant bien la problématique des soins. Qu'est-ce que vous conseillerez aux membres de l'AKCB afin que leur action soit encore plus efficace? Bon, c'est-à-dire que j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt l'exposé du président qui a montré la vétusté dans le domaine qui est leur, la kinésithérapie, et quand même la volonté de ceux qui sont dans la pratique de pouvoir travailler et aider les malades et ceux qui ont besoin de ces services. Ce que moi je pense, ce que j'ai un peu déploré, c'est qu'il n'y a pas eu un réel appel à des dons pour pouvoir soutenir cette œuvre qui sera utile pour notre pays. Je pense que donc dans l'avenir, il faut qu'il y ait des projets bien précis, clairs, qui puissent expliquer si les dons peuvent être donnés et si ces dons doivent aller dans le sens de la formation des kinés sur place ou bien dans l'achat des matériels pour pouvoir aider les services de kiné ou même dans la prise en charge des malades. Il faudrait réfléchir à ces trois aspects qui, pour moi, semblent importants à ce stade. Et outre cet aspect qui est financier, on a évoqué le problème des structures. Comment réagirez-vous face d'abord, par exemple, les images que nous avons vues, l'inaccessibilité des bâtiments?
C'est vrai que voilà pourquoi nous demanderons encore à la régie de redéfinir, de redéfaire défiler les numéros de compte afin que ceux qui sont touchés par en vous écoutant, docteur, de bien venir soutenir la KCB parce que les objectifs comme définis, elles ne sont que pour apporter une pierre par rapport à ce qui se fait. Oui, mais c'est ce que j'ai dit tantôt. Je crois qu'on devrait insister sur un appel de dons parce que cette association a besoin des moyens financiers pour pouvoir aider même les infrastructures existantes. Voilà. Voilà, on a vu la vétusté de Goko, on a vu le matériel vieillot. Ce n'est pas avec ce matériel qu'on peut soigner correctement des gens. Mais il faut qu'il y ait un appel vibrant, réel et franc, comme vous avez demandé, pour que le numéro de compte soit défilé, mais avec un objectif clair, pour que ceux qui puissent, qui auront la volonté d'aider, sachent bien à quoi servira leur don ou leur argent. Et moi, je serai un des premiers aussi à donner ma quote-part pour cette cause noble qui, en tout cas, ira dans le sens des populations en République démocratique du Congo. Encore une petite réaction, un mot de la fin? Un mot de la fin, c'est un mot d'encouragement parce que je pense que des actions pareilles dans le sens d'aider les populations locales sont fortement à encourager et à mettre au grand jour. J'ose espérer que le média qui est le vôtre ne manquera GOI TV ne manquera pas de mettre ça ou à la site, une. Ou le site GOI.com. Voilà. Donc en tout cas, c'est dit et c'est retenu. Il faudrait que cet élément soit au grand jour pour que les Congolais sachent bien ce qui se passe et la volonté des kinés congolais en Belgique de mettre en avant leur métier et de pouvoir aider ceux qui sont restés au pays. Je vous remercie. Je vous remercie et ce fut un plaisir de vous recevoir, docteur. Merci. Mesdames et messieurs, vous êtes toujours sur GOI TV et nous sommes les hôtes de la soirée de l'AKCB. Nous avons l'honneur, après avoir entendu son brillant discours, de recevoir le président de l'association des kinésithérapeutes congolais de Belgique, l'AKCB. Monsieur le président, nous sommes très heureux d'avoir entendu ce que nous avons eu comme discours. Encore une fois, présentez-vous aux téléspectateurs de GOI TV. Merci pour la parole. Je m'appelle M. Mouzen Bojan, professeur à l'ISTEM Kinshasa, kinésithérapeute au CHU de Lille. Je suis actuellement président de l'AKCB, comme vous l'avez dit. Monsieur le président, une question. Pourquoi créer l'AKCB? En fait, c'est une question qui demande du temps pour pouvoir expliquer. Mais pour dire brièvement que la KCB, on l'a créée avec un groupe d'amis, humilié par l'intention de pouvoir aider l'ISTEM d'abord, mais aussi à niveau de l'intention de pouvoir faire face aux problèmes de handicap au Congo. Nous avons voulu, par notre petite contribution, porter et contribuer, si vous voulez, à l'amélioration des conditions de vie de la population congolaise. Mais on vous a écouté tout à l'heure. La majorité des objectifs sont nobles et cela nécessite que du bénévolat. Mais pourquoi vous dévouez, en dehors de vos multiples occupations, pourquoi vous vous dévouez comme ça pour les autres? Donc, chacun de nous a dans son fort intérieur un sens noble, social. Je pense que nous sommes là tous à niveau d'une intention pour aider l'autre. Et si on a un peu plus, on est toujours allé par le fait de pouvoir aider celui qui manque. Et les handicapés au Congo aura besoin, c'est pour ça que nous avons été à l'incapacité de pouvoir l'aider effectivement. Président, vous êtes sur GOI TV, devant les caméras de GOI TV. Est-ce que vous savez rappeler les objectifs de l'AKCB? L'AKCB a plusieurs objectifs. On va les résumer en quelques mots pour dire effectivement que d'abord, c'est pour se retrouver ensemble entre anciens de l'ISTEM, dans le futur de l'ISTEM. Et ensuite, pour pouvoir accueillir en Belgique et qui savent trouver la formation, mais aussi pour pouvoir ensemble réfléchir, pour faire face aux problèmes du handicap au Congo, notamment par des séminaires, par des formations, et bien aussi pouvoir penser à l'équipement des centres de rééducation et de kinésithérapie en récoltant des matériels ici, pour pouvoir l'envoyer au Congo si possible. Les moyens nous manquent pour le moment, mais nous pensons que plus tard,
si on pouvait remplir un conteneur de matériel de rééducation, ce serait beaucoup d'objectifs intéressants pour pouvoir alimenter et équiper les services de territoire au Congo. Ce serait un objectif vraiment important. Pour ceux qui sont touchés par la cause, en dehors des numéros de compte qui défilent, comment peuvent-ils, ceux qui nous écoutent, ceux qui nous suivent, comment peuvent-ils aider la KCB? Ce qui est important, chacun de nous peut aider la KCB à continuer. En lui expliquant ce qu'il peut faire, en nous disant que malgré les handicaps qu'il a, il a des capacités, il a des potentialités qu'il peut exploiter, il n'est pas le rendre, le pouvoir qu'il ne peut rien faire. Parce qu'en fait, ce qui se passe, dans notre culture, on croit qu'il est handicapé, il ne peut rien faire, il est estropié, il est sourd, il est muet, mais il ne peut rien faire. Mais on sait que la parole, la locomotion, la vue ne suffisent pas. Si on a un cerveau correct, on peut faire face aux problèmes de la vie. Donc, il faut plutôt dire, vous avez des limites dans cet sens, ce domaine, mais vous avez des capacités de pouvoir faire face. Donc, il faut l'aider, il faut lui faire croire qu'effectivement, il a des capacités de faire face à ces problèmes nous-mêmes. Par son autonomie personnelle. Donc nous pouvons aller l'aider par des méthodes de rééducation, méthodes de réinsertion, méthodes de réadaptation pour pouvoir faire face aux problèmes qui handicapent par d'abord la formation des cadres qui manquent dans notre pays, mais aussi par l'enseignement que nous faisons aux étudiants qui sont à l'extérieur, mais aussi par notre travail de rééducation. Donc on peut dire que chacun de nous a un effort intérieur et social qui peut pousser son voisin handicapé vers l'autonomie. Vous l'avez encore dit lors des questions-réponses que non seulement il y a un aspect économique qui ne permet pas l'accessibilité aux soins. Voilà pourquoi nous demandons encore à la régie de remettre les numéros de compte à ceux qui sont touchés afin que les bénévoles et les différentes institutions sur place à Kinshasa puissent prendre en compte cet élément qui est capital, qui est la rééducation et la réhabilitation. Président, les projets futurs de la KCB. Pour le moment, nous pensons au projet de pouvoir améliorer le contenu de formation externe. Notamment, nous pensons à pouvoir, dans les plus proches délais, financer si possible la mise en place d'une salle de réunion. Une salle de réunion pour les formateurs. Parce qu'il n'est pas ridicule de pouvoir se réunir dans un auditoire des étudiants qui suspendent les cours à ce moment-là. Alors que l'horaire du cours est important pour que pendant la journée puisse faire les cours. Donc, nous pensons que dans le premier temps, nous allons penser à une salle de réunion. Et plus tard, nous allons penser à pouvoir donner le matériel didactique pour l'enseignement. Et dans le futur qui viendra, on pourra penser à pouvoir contribuer à l'accessibilité des bâtiments de formation aux personnes handicapées. Parce qu'on l'a vu dans la diapositive que j'ai projetée, comment peut-on accepter que les structures de formation des personnes handicapées n'aient pas des moyens d'accessibilité pour les personnes handicapées dans les bâtiments de formation. Donc ça nous touche beaucoup. Et nous allons faire du mieux pour aussi le troisième but, qui est l'accessibilité soit atteinte. Nous vous remercions, Président, d'avoir accordé ces éclaircissements sur le micro de GOI TV. Et GOI TV se donne le devoir de soutenir. Comme vous le faites, GOI permettra encore à travers son site www.goi.com et son instrument GOI TV de rediffuser encore et encore afin que ce que vous faites soit relayé non seulement ici en Belgique mais à travers le monde parce qu'il y a une certaine audience qui ne pas moindre et qui ne va que croissant. Voilà pourquoi nous vous disons au nom de l'équipe de GOI, merci.